Nous sommes ravis une année de plus de participer et de soutenir le Grand Prix Xavier Belin. Le groupe EDF était dès l'origine partenaire de ce prix et continuera à l'être bien entendu. Le projet qui a gagné cette année est un projet qui est évidemment au cœur de la transition énergétique. Donc, je tiens évidemment à féliciter la lauréate. La géothermie est un des axes pour lesquels le groupe EDF travaille, avec bien d'autres évidemment, qui sont le solaire photovoltaïque, les éoliennes. Et nous encourageons évidemment l'ensemble des agriculteurs à traiter ces sujets et nous serons là pour les accompagner avec AgriTech Valley. Pour les prochaines éditions, nous souhaitons évidemment que les candidatures soient de plus en plus nombreuses pour que nous puissions mesurer ce que nous savons être une vraie réalité qui est le dynamisme et l'innovation chez nos amis agriculteurs. Nous encourageons vivement l'ensemble des agriculteurs à déposer leurs dossiers pour le prix Xavier Belin. Donc soyez nombreux l'année prochaine à déposer vos dossiers. Je vous remercie et à bientôt, au revoir.